Bonjour tout le monde, ici Atlant, et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la suite de... Oh, c'est quoi? C'est un loup? C'est un loup-garou? C'est un loup? Ouais, reste là-bas toi, reste là-bas, je te veux pas. On se retrouve sur la suite de Atlant face à la nature. Donc, il y a eu des changements, mais j'ai fait un épisode 2. Et j'avais réactivé un shader qui était un peu moins lourd que le premier que j'avais désactivé. Et manque de peau, j'ai des problèmes audio. Du coup, j'ai tout l'audio qui est complètement décalé. Et donc, et je n'ai pas réussi à resynchroniser parce qu'en fait, ça se redécale tout le temps en fait. Voilà, je sais pas comment faire. Et donc, comme en fait, il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes, j'ai juste fait un peu de plantation, j'ai agrandi. Ma petite cabane. Oh, il a glissé son cul, lui. Je me suis capturé deux poules. J'ai même fait un petit. Pour avoir. Est-ce qu'il m'a pris l'œuf? Ouais. Pour avoir des œufs, parce que les œufs se cuisent et ça donne des omelettes. Là, il faut que je bois un coup. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc, j'espère que cet épisode ne va pas merder. Et puis, que l'on va. Que l'on. 1, 2, 3, et que l'on puisse pouvoir continuer d'avancer, je veux dire, en direct. Plante-moi voir là, l'arbre il est planté. Oula, et non, 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 et là, les textures elles sont. Oh, graphisme, non, quand même, quand même, faut pas rigoler, voilà, oh, voilà, c'est déjà mieux, non, mais tac, tac, tac. Voilà. Donc que faire, que faire, que faire, que faire, que faire. Donc j'ai déjà eu une première proposition de choses à faire, d'objectifs. Donc faire une place forte avec des pièges. Une place forte avec des pièges. Merci, merci Jaconine. Donc place forte avec des. L'ours te reste là-bas. Ça risque pas d'être ici. Il faudra donc trouver un autre endroit. Donc pour l'instant la place forte ce sera pas tout de suite. Car si on veut partir construire ailleurs, il faut que je m'équipe. Donc, tiens, on va déjà cuire les œufs. J'ai déjà faim, on va manger de la dinde. Voilà, donc oui, j'avais tué un dindon, j'avais même tué une autruche et tout ça. Donc là, ce que j'aimerais bien à la rigueur, c'est pouvoir commencer à m'équiper un peu. Donc j'ai des bouteilles d'eau, donc ça peut faire l'affaire. C'est dommage, j'ai pas le camel back encore. Pioche, pioche. On va peut-être essayer de se trouver du fer. Et je sais qu'il y a du fer là-dedans. Alors j'espère que le fantôme n'y est plus. Toi, tu restes gentil, toi. Ah, il a bouffé une poule! Ah non, non, c'est un squelette. Oh. Et toi, tu restes gentil. Hop, tu vas. On va essayer de se trouver du fer. Il me semble que là-dedans, il y avait un petit morceau de fer. Là, hop, voilà, comme ça, hop, on peut remonter. Alors, ah, du coup, c'est moins sombre, hein. Ah non, il est toujours là, je l'entends. Bah, je croyais qu'il y avait du fer. Ah oui, là-bas. Allez, on va quand même. Waouh! Ah, on entend la. Le truc tomber. Ah putain, mais oui! C'est ça, le sable qui est. Oui, mais bien sûr. Le sable qui est sous. La terre qui est soumise à la gravité, j'avais complètement oublié ça. Mais oh, moi je veux pas que. Je vais pas pouvoir réussir à boucher ça, non mais. C'est complètement con. Je dirais non, c'est un peu réaliste, hein. Mais ouais, mais c'est ça, eh oh. Mais eh, je te pose. Mais il va. Allez, bouge-moi ça. Voilà, ça y est. Il y a le fantôme, hein. Je l'entends, hein. Je l'entends. Et je veux mon fer là. Hop. Je veux du fer. T'as le bruit de la cascade. Mais d'où il sort ce. La cobble aussi, elle. Oh. Non, tu vas dire la cobble aussi, elle est soumise à. Bah non. Bah tu. Toi, je t'ai pas posé là. Ouais, il y a des trucs bizarres. Allez, j'ai déjà deux petits morceaux de fer. Alors, on va récupérer ça.
C'est quoi ça? Ah, Dieu, tu m'as fait peur. Par contre, j'entends le fantôme, hein. Il est quelque part. Moi, je vais avoir peur d'aller dans les galeries. Ah, là, j'avais éclairé. J'ai récupéré le fer, s'il y avait du fer là-dedans. Non? Ben, il n'y en a pas. Donc, il va falloir aller se faire... ouais, quelque chose, du fer, du... Creuser... On va se trouver du fer. Alors, par où qu'on remonte? J'entends le fantôme, j'aime pas. Reste dans ton coin, le fantôme. C'est le fantôme des villageois. Oui, j'ai tué des villageois pour pas qu'ils se transforment en... Ah, du cuir, du steak. L'ours, il a bouffé les vaches. Il me faut du... Donne-moi du cuir encore. L'ours, je vais pas le tuer. Tiens, prends-moi un peu de bois, tant qu'on y est quand même. Et pourquoi là, ça s'est pas cassé et tout? Où c'est que je pourrais aller creuser pour faire, pour trouver du fer? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une crevasse encore quelque part? Tiens, là-bas c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est fait bouffer? Les animaux se font manger. Bon, ça va, c'est bien, je récupère la viande. Il faut que je fasse gaffe. Hop, des vaches. Eh, hey, on va chercher du cuir pour le camelback. Coucou. Eh, hey, il y a de la cobble là-bas. Bonjour la vache. Hop. J'ai combien de cuir déjà? 4, il m'en faut 8. Un cheval, j'ai pas de sel le cheval. Il faudrait que je regarde si des fois là, avec un mode, avec le mode, si la selle elle se crafterait pas. Ah! C'est dangereux. Ah, mais c'est bien. Ah, le spawn. Ouais. Eh ben voilà, sel. Non, y a pas de place! Non! Allez, toi, j'ai pas besoin. Mais toi, je t'en prends une. T'as un décédé. Une étiquette. Qu'est-ce que. J'ai pas de place! J'ai pas de place! Le stick, j'avais pas besoin. La deuxième selle. Les disques, pour l'instant, j'ai pas besoin. Et le deuxième coffre, il est planqué où? Non, il est planqué nulle part. Donc un donjon, et le spawn il est là en dessous, mais grâce à la terre qui tombe. Grâce à la terre qui tombe, il est enterré. Super, chouette. Oui, avec une pioche, ça marcherait mieux de récupérer le fer. Hein. Hop, comme ça on pourra se déplacer à cheval. C'est quoi ce que j'ai vu sauter? Non. De la laine, là j'en ai pas besoin. Allez, on va se ramener un cheval à la maison. Tintin. Ah, j'ai pas de. Faudra que je lui fasse une petite maison. Alors, un cheval. Quel cheval? Là, il y en a un. Là-bas, il y en a un deuxième. Toi, tu m'as l'air beau. Déjà, on va. Hop. La selle. Sur soi. Allez, mon petit cheval. T'as. Ouais, t'as pas tellement. Si. De cœur. Ouais, si, ça va. T'as une bonne. T'as de la bonne vie encore. Allez, allez. Allez, deviens gentil. C'est quoi ça? C'est un chien? Ah non, c'est une petite chèvre ou une petite meute, j'en sais rien. Eh oh, vas-y, apprivoise, apprivoise. Oh. Ah, ce cheval-là, il est un zèbre. T'es apprivoisé? Ouais, il est apprivoisé. Hop. Allez, viens avec moi à la maison. Waouh, c'est bien. Ça sera bien pour voyager. Sans trop se fatiguer. Et il faudrait que je l'attache. Faudrait que je le mette en sécurité surtout. Alors, on va te construire un petit enclos. Hop. Te sauve pas trop. Te sauve pas trop. 1, 2, il faut. On va mettre 2 de large. Hop, hop. Alors, je sais qu'il faut 2 de haut, par contre. Bah, c'est pas grave si on ferme pas tout de suite. On va faire 2 palissades, du moins 2 barrières. Tac, tac, toc, toc, toc. Des bâtons, purée, j'ai pas assez de. Alors pour l'instant, ça me prend beaucoup de place là. Ça me prend beaucoup de place.
Hop, range ça. Range la selle. Alors, des bâtons. Non. Voilà. Une, deux. Voilà. Et donc il me faut, j'ai dit deux, tac 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 tac, voilà, comme ça tu vas rester. Ouah, il fait déjà nuit, il fait déjà nuit, voilà là. Et un zombie. Il fait déjà nuit et un zombie. Je veux ranger mon cheval. Tu vas pas m'embêter. Bon, et je parie que comme il y a le zombie à côté, on va d'abord devoir s'en occuper. Et crève. Voilà. On va dormir. Allez, mets le jour. Mets le jour. Oui, je peux. Waouh, l'eau elle descend vite. Waouh, c'est pas possible. Alors, toc 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 toc, œuf que j'ai dit qu'on peut cuire encore une fois. Je me demande si dans Crash Landing s'il y a aussi le fameux les fameux trucs pour faire je non les jouisseurs et tout ça, ça fait pas partie de ce que j'ai mis. Alors, toc toc toc, j'aurais bien fait du jus de pomme. L'étiquette, j'en ai pas besoin, j'ai même pas d'enclume. Ah, du fer, j'en ai déjà 13. Si, j'avais déjà récolté du fer. Ok, je me souvenais déjà plus que j'avais récolté du fer. Alors, ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc, j'ai un cheval pour voyager. Il me faut du. Déjà boire. Bon. Ouais, mais ça descend vite quand même. Hein. Pourquoi ça descend aussi vite? Il fait chaud, j'ai 38 degrés quand même. J'ai quand même 38 degrés. Il me faudrait. Qu'est-ce que ça va être avec l'armure et tout ça? Si je me mets à l'ombre, ça descend un peu. Parce que plus j'ai chaud et plus je consomme de l'eau. Hein. Donc. Mais il faisait pas aussi chaud au tout début, il faisait pas aussi chaud. Bon allez, on va essayer de se trouver. Hop, pas partir trop loin. Un éléphant, je vais pas m'attaquer à l'éléphant. Il me faut de là, de la vache, voilà. Il me faut le camelback. Reste là, reste là. J'ai besoin de toi. 6, il m'en faut encore 2. Ouais, mais il y a plein de chevaux, ça c'est bien ça. Plein de chevaux. Ah tiens, celui-là, j'ai jamais vu ce cheval. Tété, bonjour la vache. Reste là. Mais te sauve pas comme ça. Reste là. 7, purée, encore un. N'aurait pas pu me donner, tiens. Creeper qui s'est fait bouffer par quelque chose. Pom 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 pom. La poule, tiens, toi, t'es là. Donne-moi du poulet. On fera cuire de la viande. Alors les chevaux, est-ce qu'ils ils donnent du cuir, il me semble, là aussi, hein, les chevaux, hein. Je suis désolé pour toi. Ouais, je suis à 9. Bon, allez, on va se faire le camelback, histoire d'avoir de l'eau sur soi. Donc, hop. Et on va peut-être se trouver... Ouais. C'est une bébé autruche, ça? C'est quoi? Ouais, au bruit, c'est bébé autruche. Et ça court vite, hein. Mais ça donne du poulet. Non, voilà. De la viande d'autruche. Allez, donne-moi. Voilà. Criquet. Ça donne rien. Un peu d'expérience seulement. Alors, ah, tiens, des baies. Donne-moi des baies. Ça pourra peut-être. Voilà. On est de retour. Piggy! De la viande! Donne-moi de la viande! Non! Pourquoi c'est retombé là-dedans? Hop! Donc, désolé si je réactive pas de shader ou si je mets pas de shader, c'est qu'en fait, bah, mon PC il supporte pas. Ça enregistre mal!
Donc voilà. Donc là, le blé il pousse, on se fera du pain. Donc là, on va commencer. Première toc. Le camelback, c'était quoi? C'était une bouteille. Donc une bouteille vide. Hop. Là, on va déjà ranger. J'aimerais bien, comme à mon habitude, un coffre juste pour les trucs à mob. Voilà. Tac. Que l'on va mettre là. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin. Ça, voilà. Ce qu'on récupère sur les mobs. Pas grand-chose. Va me cuire du poulet. Va me faire. Alors, je voulais donc du coup boire cette bouteille d'eau. Bien, une fiole d'eau. Hop. Et on va se garder un four sur soi pour pouvoir. J'emmènerai des bouteilles vides, un four, de l'eau pour pouvoir, si jamais il faut, purifier de l'eau. Et le camelback, là, il me faut maintenant ça. Comme ça, on va être un peu tranquille. Ah, mais le camelback, je peux pas, par exemple. Hop, il est plein. Tac. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Si je l'ai sur le dos, je ne peux rien mettre. Ah! Je peux pas mettre d'armure. Bah on verra. Ça sera une ressource d'eau. Pour l'instant, on le garde sur le dos. Hop. Alors pour le remplir, il faut 4 bouteilles. Donc on va garder que 4 bouteilles sur soi. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai du fer. Est-ce qu'on se fait des outils en fer ou on se fait déjà une protection en fer? Je pense des outils en fer, ça pourrait aider si on va justement miner et tout ça. Donc, on va se commencer. Surtout, ouais, peut-être qu'on trouvera du diamant. Hop, non. Alors, allez, une pioche en fer. Hein, justement, on investit, hein, comme ça, hop. Et puis une épée en fer. Alors peut-être que l'épée en fer. Alors oui, Jaconil. Normalement, les loups-garous se tuent avec une épée spéciale. D'après mon gamin, ça se tue qu'avec une épée en or. Donc ça, maintenant, je ne suis pas sûr. Mais à mon avis, peut-être, ouais. Peut-être l'épée en or. Sinon, l'épée en diamant. Il n'y a pas d'épée en argent et tout ça. Donc je ne sais pas. Là, le manger, non, c'est pas ça, le manger, vas-y, fais-moi cuire tout ce qu'il y a à manger. Là, les petites baies, je suis sûr que ça remplit pas. Je sais pas si on peut replanter ça. La pomme, on va la laisser là, on va cuire la viande aussi. Hop, cuis-moi la viande. Là, on perd un peu, du moins, on perd pas du temps, mais c'est de la préparation. J'ai un camelback sur le dos, j'ai des bouteilles d'eau. On va se faire un petit. Ben voilà, il me faudrait. Allez, je vais pas me faire chier cette fois-ci à tuer les moutons. Cisaille. Voilà, le reste du fer. Oh, pour l'instant, non. Pour l'instant, on va bouffer hein, les outils. Hop. Bon, tant que je reste près de la maison, j'ai pas besoin des fioles d'eau. Là, je ne pars pas. Mais on va aller se chercher des moutons. Donc ça, on casse d'abord les outils en pierre. Hein, on casse d'abord les outils en pierre. On va se chercher. Ah, excusez-moi si vous m'entendez renifler un petit peu. J'ai un rhume. J'ai chopé froid. Il fait froid à nouveau. Je sais pas chez vous. Chez vous, vous êtes de quelle région? D'où venez-vous? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Tombe pas. Merci. Voilà. Tu m'as donné que un. Rapia. Ah, ça c'est bien. Voilà, pour mon kit de survie. Donc, kit de survie, hop. C'est con qu'on peut pas se faire un sac à dos. Il n'y a pas de sac à dos, justement. Faudrait que je voie rajouter un mode sac à dos. Ça serait pas mal pour partir à l'aventure. Ça serait pas mal. Là, ça m'étonnerait que. Non. Sac. Il n'y a pas de sac à dos, hein. Foyer de sacrifice. Pousse d'arbres sacrés. Ouais, non. Sac, non. On va avoir bague. Pas de bague, non.
Donc, faudra que je trouve un mode pour qui rajoute des sacs à dos, ça serait pas mal. Comme ça, faire un kit de survie. Alors, on va préparer le kit de survie dans le coffre. Alors, kit de survie, qu'est-ce que c'est un kit de survie pour moi? Alors, c'est déjà 1, 2, 3, à peu près 64 un stack de planches. Hop. Oh, kit de survie. Un stack de planches. Un lit. Hop, donc. Voilà. Un lit. Hop. Un lit. Tac, 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 tac. Un lit. Une porte. Donc, voilà. Tac. Hop. Une porte. Des planches, un lit, une porte, une table de craft. Alors, une table de craft. Voilà. Une table de craft. Voilà. Quelques torches. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Hop. Des torches. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de torches, hein, mais on va dire la dizaine de torches. La table de craft. Il faut du charbon. Et. Tac. Donc là, tiens, hop, on va faire du charbon. Du charbon. Et je vous reprends tout de suite. Je vais juste aller me moucher. Voilà. Donc, du charbon. Un four. Hop. C'est quand même bien le four avec les slabs. C'est quel mode qui a rajouté ça? C'est dommage quand on connaît pas tous les modes utilisés. L'habit de fourrure là, ça serait pas mal la combinaison de fourrure si jamais on traverse des biomes où il fait froid. Tac 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 tac. Le four, je l'ai pris le four. Ouais. Donc le four. Donc là, on va mettre ça en bas. Hop. 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 Hop, bien sûr de la nourriture, hein. Donc là, alors toi tu m'as fait du charbon, allez ça suffit. On va prendre ces côtes de porc, de toute façon il faut partir, là cette fois-ci dans le kit de survie il se rajoute les bouteilles d'eau. Donc hop, les bouteilles d'eau. Voilà, on va dire 4, les bouteilles d'eau, et je dirais même un seau d'eau. Un seau d'eau. Un seau. Pourquoi un seau? Eh ben. Normalement, regardez. Si je prends mon seau. Là, je vais juste. Disons. Hop. Tac. Je vais enlever le camelback. Normalement, je prends mon seau. Alors là, c'est du test. Oh, il fait déjà nuit nouveau. Je prends. J'ai un seau d'eau. Je vais être à l'aventure. On va juste. Je fais passer la nuit. Oh, n'hésitez pas si ça se trouve maintenant. Là, je vous donne l'idée. Et je le fais. Je vais me faire avoir. Je le dis ça et je vais me faire avoir. Genre, par exemple, en objectif. Ouais! Ouah! Ouah! C'est quoi ça? Eh! Ouah! Dégage! S'il te plaît, fiche le camp. Et il m'a vu. Il m'a vu. Et casse pas ma maison. Non! Je suis coincé chez moi. Je suis coincé. T'es un méchant ogre, je pense. T'as, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et d'où tu sors? Est-ce que j'arrive à le tuer, vous pensez? Est-ce qu'il m'attaque? Bonjour, t'es gentil. La nuit, peut-être t'es méchant. Alors, tu vas passer ton chemin gentiment, hein? D'accord? Tu passes ton chemin gentiment. Et moi? Et moi? J'ai fait une deuxième entrée. Donne-moi la porte. Hop, hop. Voilà. Comme ça, voilà, c'est bon.
tu restes devant la maison, pars, sauve-toi, va te promener, fais ce que tu veux, mais ne me tue pas, s'il te plaît, je t'ai rien fait. Donc, j'étais en train d'expliquer le seau d'eau, donc ça, c'est un truc que je me suis dit, on va avoir essayé comme ça. Pour le kit de survie, ça serait pas mal. Donc, on va tester d'ailleurs. Hop! Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je creuse ici. Je mets mon seau d'eau. Et donc là, je vais prendre. Hop. Donc, je vais boire la fiole d'eau. Hop. Et là, je peux remplir. Et j'ai bien une fiole d'eau pas contaminée. Et après, je récupère mon seau d'eau. Donc, ce qui fait. Parce que les fioles d'eau, à part dans les chaudrons, mais. Quand vous prenez des fioles d'eau sur une source d'eau normale, et eh ben. Il est passé où le morceau de terre? Ah, il est là. Eh bien, ça ne vide pas la source d'eau. Donc là, ça va être pas mal pour partir à l'aventure et pouvoir se re-remplir nos bouteilles. Donc, un seau d'eau. Hop, un seau d'eau, 4 bouteilles. Je dirais même pas besoin de 4 bouteilles, mais on verra. On verra. Le camelback, tiens, tu me le remets sur le dos. S'il te plaît. Pars, s'il te plaît. Il va falloir que j'aille me balader loin. Un petit coup loin, vite fait, pour qu'il dépop. Et on va partir loin à dos de cheval. Youhou! Ah merde. Quoi ça? Non! Mais qu'est-ce que tu fais comme connerie? Un méchant rat, des méchants rats. S'il te plaît. Putain, non, 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 non. Purée, mais quelle idée, pourquoi je suis tombé là-dedans? C'est pas possible. C'est pas possible. Un petit zèbre, t'es tombé, tu peux pas ressortir non plus. Alors, il va falloir faire un chemin pour le cheval. Ouais. Hop, là t'arrives à grimper, t'arrives à grimper. Allez, t'arrives à grimper. Hop. Allez, allez. Hop. T'arrives à grimper. Allez. Et t'arrives à grimper. Au fait, est-ce qu'il est parti le gros là-bas? Non, toujours pas. Il faut qu'on parte assez loin pour qu'il dépop à 128 blocs. Alors c'est bien, avec le cheval, ça va vite. Et peut-être qu'on évitera les mauvaises rencontres. Rencontre. Hop, 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 hop. Salut l'autruche. Ah, tombe pas. Ouais, c'est rapide, mais faut pas tomber. Tac, tac. J'espère qu'il dépop le truc, hein. Je suis à combien là? 160 mètres. Ok. Donc normalement, j'ai plus le truc. Ah! Non, non. Ouf, ouf. Enfoiré. Et ah, là-bas. Top, 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 top. Allez, tang, tang, tang. Allez, il dit-moi qu'il est plus là. Il n'est plus là, il n'est plus là. Ah, j'arrive pas. Tu n'es plus là. Je ne t'entends pas. Tu n'es plus là. Impeccable. Voilà, parce que je sais pas, hein, la nuit il est peut-être méchant ce truc, hein. Alors, il me faut. Bah, on va faire manger. On va manger. Hop. Fais cuire la viande de rat. Alors, il va me falloir. Du bois, du bois. Je préfère prendre du bois pour cuire les choses. Hop. Du moins pour cuire la nourriture, surtout. Comme ça. Genre pour deux trucs là, si je pars, bah, ça va me brûler que deux planches et pas autre chose. Pom, 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 du pain, il y en aura bientôt. Qu'est-ce que je devais faire? Du bois, tant qu'on y est toujours. Du bois, c'est toujours bon à prendre le bois. Ah oui, je voulais manger. On va manger la viande de rat. On va manger la viande de rat. Et je vais me faire des. Pour que les portes elles se referment là, parce que. Ah! Alors on va chercher le bois. Pour faire ce que je veux faire. Oui, des œufs. Merci les poules, les œufs. Et il manque une poule. Et il est où votre petit? Il est où votre petit? Il est où votre petit?
Bon, Graine, on va refaire un petit. C'est quoi ça? Vous avez fait un petit et puis il est passé où? Vous êtes pas assez protégé? Eh, on voit pas les cœurs. Il n'y a pas les cœurs. Tu peux grandir plus vite? Non, tu peux pas. Ah, on doit vous protéger un peu plus? On doit vous protéger un peu plus? Eh ben, je vais vous protéger un peu plus. Des barrières. Mais pour les barrières, il faut du bois aussi. Et la viande de rat. Allez. Hop, qu'est-ce que tu peux me... cuis-moi les omelettes. Hop, ça j'ai pas besoin, la chair putréfiée. Pas besoin. Alors, on va manger la viande de rat, ça donne combien? Ouais, ça donne 2. Voilà. On va essayer de pas crever avec toute la viande sur soi, hein. On va se garder juste ça. Ça, on a assez, on a de l'omelette. La fiole d'eau, là j'en ai pas besoin. Cuis-moi les 2. Ah merde. Allez. Cuis-moi. Allez, c'est bientôt fin de l'épisode. Je vais aller chercher du bois. Je vais augmenter le poulailler. Y a rien. Ah, raton laveur. La petite fourrure de raton laveur. Tu m'as pas donné de fourrure, toi. T'étais peut-être pas encore assez grand. Ne me dis pas que tu veux me bouffer. Viens pas vers moi. T'as l'air gentil là pour l'instant, mais tu me fais peur. Oh là 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 là. On va chercher l'arbre là-bas. Et bouffe pas mes poules. T'as pas droit de bouffer mes poules. Interdit. Interdiction à toucher mes poules. Interdit. Interdiction, touche pas les poules. Tu vas voir. Hop, hop, hop. Voilà. Pelle. On touche pas mes poules. Tranché. Et là maintenant, je ressors comment? Ah pourquoi des fois ça tombe et des fois ça tombe pas? Yeux, ouais, ça fait peur. Alors, interdit de toucher mes poules, vous avez compris? Non! Wow. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ça serait bien de reboucher. J'ai l'impression que c'est que quand il y a de l'eau que la terre, elle se déplace en fait. La terre est emportée par les courants d'eau. Voilà. Comme ça tombera plus. Qu'est-ce que je voulais? Putain, déjà, la viande qui baisse et le camelback. Et il va déjà faire nuit, mais waouh, mais ça passe trop vite, c'est pas possible. J'ai pas 10 minutes de jour là, c'est impossible. Hop, voilà, donne-moi du bois. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi je voulais du bois, mais donne-moi-en. J'entends quelque chose. Mais t'es pas net, toi! T'es pas net, tu vas me faire faire une crise cardiaque! Non! Alors, il va faire nuit, ça va être dangereux, je sens. Allez, hop, hop. Alors, hop, donne-moi, tiens, la pomme, là, il y avait la petite pomme, c'est pas mal. Alors, hop, hop, hop. Replante-moi, vite fait, les arbres, hein. Voilà, replante. Pourquoi je peux pas replanter? Tchit! Il me fait peur, cet ours! Ah, mais non, mais j'essaye de planter des graines, c'est alors que je veux planter un arbre. Oh là là, plante. Plante. Purée. Alors, on retourne. Dodo! Ouah, tous les squelettes!
sont tous dans l'arbre. Ah oui, je voulais faire des plaques. Oh! C'est quoi ce bug? Là, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il m'a éjecté dehors dans la nuit. Allez, on va se faire des petites plaques. Tac. Des pression plaques. Des plaques de pression. Ok, une, deux. Il y a toujours un truc que... Je sais plus si ça fonctionne ou pas, mais il me semblait que des plaques de pression en pierre ne sont pas activées par les mobs. Mais ça, je sais pas. Les loups bouffent le slime. Ça a l'air bon, hein, c'est de la gelée. Ouais, il y a un scorpion là-bas. Ouais, mais ça me donne pas envie d'aller explorer. Hein. Ça me donne pas envie d'aller explorer. Et vous, cette fois-ci, hein, personne touche mes poules. Dégage, dégage, dégage. Allez, crève. Du slime ball, j'en aurais pas besoin pour l'instant. Peut-être par la suite, hein, faire des pièges à trappe ou des pièges pour les petits monstres. Ça pourrait peut-être servir. On sait jamais, on se ramasse les slime balls. Et là, il y avait des choses qui sont sorties. T'as l'air méchant. T'as l'air méchant. Reste dans ton trou. Il me faudrait un arc. Faudrait que je me fasse un arc. J'ai pas de ficelle. Peut-on fabriquer la ficelle? Est-ce que... Avec un peu de chance... La ficelle, est-ce que je peux la faire? Non, je peux pas la faire. Il faudrait, purée, plus de modes que ça. Ah oui, il aurait mieux fallu de jouer sur un Feed the Beast ou un truc comme ça. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait Johnny? Non. Tiens, va ranger les choses là, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. De la mienne en plus. Cuis-moi là. Voilà. La laine, j'en ai pas besoin. Le cuir, là, j'en ai pas besoin. La terre, on peut toujours garder. Les œufs, on va les mettre pour l'instant de côté. Faut que je bouffe mes outils. Je crois que c'est pas aujourd'hui que je vais partir chercher le fer. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, hop, la cisaille, on va garder. Pas pour l'instant, j'ai pas besoin de laine. Donc, voilà. Les slime balls, j'en ai pas besoin. Les slime balls, ça vient dans ce coffre là. Voilà. Ça serait bien des flèches et un arc. Là j'ai de la viande, le bois, hop. Le fer, pour l'instant j'en ai pas besoin. J'ai mon kit de survie qui est prêt pour quand on sera prêt à partir à l'aventure. Pour l'instant non, je veux encore un peu plus de bouffe et de bois. Et puis qu'est-ce que je pourrais aussi encore. Tiens, replante-moi un arbre ici. Je voulais du fer surtout. Il fallait que je parte faire du fer. Bonjour. C'est petit Bambi, c'est qui? Bonjour. Ah! Oh! Non. C'est toi qui fais ce bruit-là? Reste là, je te veux aucun mal. Je te veux aucun mal. Je t'ai dit que je te veux aucun mal. Je mens très très bien. Je mens très très bien. Reste là. Je peux pas te tuer? Voilà. Et tu as de la fourrure. Merci. Alors. On va laisser l'âne tranquille. Ah, ça serait pas mal. Partir à dos de mulet. Parce que lui, je peux lui mettre le kit de survie. J'ai une seconde selle. Hi, je reviens, j'ai trouvé. Mais ouais, mais un cheval, c'est plus rapide. Et faudrait que je croise un cheval avec un âne. Pour avoir une mule. Oh là là, que c'est compliqué, que c'est compliqué. Ou que je trouve un mode pour un sac à dos. Hein, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je veux faire? On va se le prendre le... Allez, pour l'instant. Allez, pour terminer l'épisode. On va terminer l'épisode sur la capture d'un âne. Waouh, c'est un canard ça? Ça c'est pas une poule ça. Hein. Et Daffy? Daffy Duck? Ouais, c'est un canard, il fait coin. Il a rien donné. Ouah. Fais pas peur comme ça! Faut arrêter! Même les petites chèvres, elles me font peur. Allez, 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 un âne. On va chercher un âne. On va chercher l'âne. T'es passé où, l'âne? Hé, hey, l'âne! Ah, t'es là. Alors, déjà, on va préparer la selle. Et. Bonjour, l'âne! Non? Je peux pas monter?
Ah oui, il faut que j'ai rien dans la main, toi aussi. Alors, ah! T'es déjà appris. Non, t'es pas apprivoisé déjà, vu que tu bouges. Oh, un poisson! Il y a un poisson dans l'eau! Wouah! Non, là, il est toujours pas apprivoisé, mais même pas éjecté. C'est plus facile. Ah, voilà, j'y ai parlé trop vite. Non! Je suis sur ton dos, j'y reste. Je suis ton maître. On part à l'aventure. Allez! Sois gentil! Oh! Mais non! Oh! T'arrêtes de foutre ma gueule, hein? Allez! Mais. Putain, même les chevaux, ils sont moins difficiles. Ils sont vraiment. C'était vraiment un âne batté, toi. Ah, il y a quoi là-bas? C'est. Non, c'est peut-être juste de la montagne normale. Ça y est! Ça y est, t'es apprivoisé. Ah non, je peux pas te mettre de coffre. Si, je crois que. Là, il avance quand même encore relativement vite. Allez, on va voir. Essayer de lui mettre un coffre. Ah putain, non, 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 non. Ne va pas te noyer, te noie pas. J'ai eu peur. Allez, faut que je te fasse un enclos. Faut que je te fasse un enclos aussi. Non mais. On va faire un enclos. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai pas pensé à l'enclos? Shift pour descendre. On va te faire un petit enclos. Alors, toc toc. Bon bah tant pis, hein. Ça fait moche. On organisera ça. On réorganisera ça plus tard, hein. Hop. Tac tac. Voilà, recule-toi un petit peu. Alors quand je veux que tu bouges pas. Et quand je veux pas que tu bouges, tu te sauves. Hop, allez. On va chercher. On va se faire un portillon. Alors. 4, 8. Hop. Non, j'ai dit portillon, il m'en faut deux. Voilà. Hop. Voilà. Et. Tac, tac. Ok. Alors. Hop, hop. Donc pour l'instant, allez, viens, on rentre à la maison. Ça va. Ah, mais il est trop petit cet enclos. Il est trop petit. Mais non. Mais qu'est-ce que je fais donc? Il est trop petit. Allez. Trop petit. Y a quoi là derrière? Ah bah il y a l'autre. Allez, on va vous mettre ensemble. Hein, on va pas chipoter. On chipote pas. Vous êtes ensemble. Tu restes. Tiens. T'as pas le droit. On se sauve pas. On reste sagement à la maison. Voilà. Voilà. Compris? On ne se sauve pas. Alors. Allez, on va mettre un peu de lumière ici, hein, quand même. Hein. Ça donne à manger, ça? Non, ça donne de la Slim Ball. C'est bien. Donc, tac, la fourrure. On aura bientôt pour l'hiver. C'est bien. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici. C'est quoi? Un renard. On va pas le taper. Le renard, ça riposte. Le renard, ça riposte. Donc voilà. On va tenter une petite sortie. Une petite fin à la F5. Oh, j'ai manqué un malbec sur le dos! Ouais! D'ailleurs, il est moitié vide. F5. Donc, merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Désolé pour l'épisode 2, qui en fait maintenant est remplacé par celui-là, car le son était désactivé, mais il s'est passé pas plus de choses que celui-là. Hein, j'avais juste agrandi un peu et fait des plantations, planté des arbres, une autruche. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos objectifs. Donc, Jaconi, lui, il participe beaucoup, lui, sur les trucs. Mais voilà, lui, c'est un youtubeur. Et puis, comme c'est mon frère, il essaye de me donner des trucs pourris à faire. Donc, non, mais ta place forte avec les pièges et tout ça, oui, d'accord. Je prends ça en note. On le fera, mais quand j'aurai un endroit pour faire une place forte. Hein, ainsi de suite. Sinon, n'hésitez pas à me donner d'autres objectifs à faire pour pimenter un peu le truc, hein, ça serait bien.
Ça donne de quoi faire, hein. Surtout, je ne suis plus en extrême. Et puis voilà, de toute façon, si j'avais été en extrême, on serait déjà mort nouveau à l'épisode 1. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker, et puis je vous dis bye bye.